children in the criminal justice system are really the subject of two sets of considerations. One is their own well-being, but secondly, the needs of justice. So it's really important for NPMs to think about the needs of the children as well as the needs of justice. And from my standpoint, I think the children's needs should take priority. Son muy variadas las vulnerabilidades de los niños una vez privados de libertad. En primer lugar, porque son un sector altamente vulnerable. Luego, el tema todavía permanece invisibilizado en muchos sectores. Siento que los mecanismos nacionales tenemos todo un desafío por delante para tutelar los derechos y garantías de los niños. Alors, la situation des enfants en détention est très difficile. Leur vulnérabilité les expose à des pressions des autres détenus, à l'exposition, à la mise en œuvre de nouveaux trafics, alors même qu'ils ont eu une réponse de la loi qui a été assez forte, qui est la mise en détention. Des pressions directes, physiques ou morales de la part des co-détenus qui peuvent aller très loin et voire même toucher à leur intégrité physique. Donc plus les mineurs sont vulnérables, plus leurs conditions de détention peuvent être difficiles. Children are inherently vulnerable because of their age, and that's an agreed international standard. But they also have a significant tendency to various types of psychological and psychiatric disorders, not least of which detachment disorders, depression, post-traumatic stress disorder, all conditions which are complicated in childhood and require careful and thorough assessment to be properly treated and evaluated. And putting those sorts of children in detention makes their problems worse rather than better. Alors, le seul moyen d'atténuer l'impact de la détention sur des mineurs est de positionner des équipes pluridisciplinaires, d'éducateurs, d'enseignants qui vont construire des programmes d'activité et de pédagogie pour le jeune, qui vont l'aider à réfléchir, à se construire, à faire autre chose que se laisser aller sur le temps de sa détention et à attendre tranquillement la fin de sa peine pour pouvoir repartir en liberté dans les mêmes environnements que celui qu'il a connu. Alors, les organes de surveillance préventifs aident les autorités à prévenir les abus et les mauvais traitements par des actions très concrètes que sont les contrôles et les visites. Même si parfois elles peuvent être un petit peu mal vécues, le compte-rendu des rapports qui sont menés par ces autorités permettent quand même de valoriser aussi ce qui est très positif, ce qui est dans les établissements. First and foremost, I think it's really important that they have medical expertise available to them. And if at all possible, specialist medical expertise to do with psychiatry and pediatrics. Secondly, I think they can advocate for children and for their needs in custodial environments. Las visitas a los centros de detención es el medio más importante porque nos permite detectar esos hallazgos que andamos buscando para proteger, para tutelar derechos de los menores. Pero una vez identificados esos hallazgos, como mecanismo tenemos que analizar qué recomendaciones vamos a hacer para que estas recomendaciones sean ciertamente productivas. Entonces siento que nosotros como mecanismo nacional pudiésemos ir más allá de la visita y establecer diálogos permanentes, constructivos, productivos, para que estas instituciones realmente se encaminen a ejercer una tutela efectiva sobre los derechos de los niños y aún con enfoque de género cuando se trata de derechos de niñas.